discussion aujourd'hui se trouve sur la vie, le jeu vidéo. Et oui, il y a des gens qui ont une vie de merde comme nous, sauf qu'ils décident d'en faire un jeu vidéo carrément. Il y a plus de putain de limite, c'est parti. Get born, naître. Il paraît qu'on commence tous par là un jour et qu'on fait un salto pour atterrir dans la poussette. Oula, ça c'est quoi ça? On apprend à parler, c'est ça qui se passe? Et voilà, on sait parler. Étudier, ça on adore. 12 plus 5, H2NO. Je m'en bats les couilles. 17, racine carrée de 9, ça fait 3 bien évidemment. Et 5 fois 4, ça fait 20, on va pas se mentir. La puberté, oh mon dieu, ces putains de boutons mon gars. C'est même plus du blanc qui sort, c'est du vert mon gars. Il a passé un cap. Date, non, le premier rendez-vous sur fa... Non, mais non, faites pas le premier rendez-vous sur ça. Je valide, je refuse. Je valide, mais elle est un peu chelou. Cette vieille femme était très heureuse d'être accompagnée par plein de petits félins. Du coup, vous êtes vous-même devenu un petit chat. Bah ça va mec, bouffer, dormir, bouffer. Aujourd'hui, tu vis seul avec 16 chats et demi et tu passes 18 heures par jour. Alors donnez tout ce dont ils ont besoin. Et mec, ça me va, hein. Moi, je match avec cette vieille femme direct. La psychopathe, on dit non. La femme au chat, on dit non. À contre-cœur. La reine des neiges, on dit oui. Docteur Zoidberg de Futurama. Ça passe. It's a match. Oh mon dieu, on a un match. Sport. Ah, le pong beer. Et si tu spams, ça va forcément aller dedans. Make coffee. Comment on fait du café? On prend, je crois qu'on prend ça et du fromage et du tout. On met tout. Il va me traiter d'imbécile tranquillement. Mais tu vois, j'allais mettre 5, bah je mets un 2 sur 5 à ton jeu. Comme le Uber quand le chauffeur était un peu vilain. Je suis un fils de pute, hein. Tu t'es foiré, t'as pas seulement empoisé ton boss et perdu le job de tes rêves. T'as été poursuivi pour tentative de meurtre et a passé les 20 années suivantes de ta vie en prison. Avec un copain de cellule qui s'appelle Papa Ours. Bon, ça valait le coup alors. Ok, du café et du lait. Et une tomate. Non, on peut pas faire des recettes originales, j'ai compris. Du lait, mais qu'est-ce qu'il veut? Ah, du sucre. Alors ensuite faut se marier. Qu'est-ce qu'on met? On met un slip sur les yeux. Mec, ton mariage, tu veux qu'il soit original ou pas? Alors fais-moi confiance. C'est nickel. Quoi? Ton sens de la mode a mis ta fiancée hors de cause. Elle a pris peur et est partie avec ton cousin Alan. Putain Alan. Et bah tu sais quoi, ton père il t'a adopté. Bâtard d'ignorant. Y'a rien d'autre à faire, c'est ça? Ah si, chaussettes. Et bah... Oh là là, pile à temps. Donc maintenant c'est à nous d'avoir des enfants. Midlife. Oh, on fait les courses, on est quarantenaire. Alors il faut une nouvelle voiture, des tickets pour voyager et des poids. Merde, j'ai tout raté. Sur le chemin du retour, tu t'es rendu compte que t'avais tout oublié. Donc tu t'es enfermé dans ta chambre pour toujours à te demander comment ça aurait pu se passer différemment. D'accord, il y a une faiblesse psychologique là quand même, hein. Moi quand j'oublie d'acheter mes faritas au supermarché, je m'en bats les couilles, hein. Nouvelle voiture. Les poids. Les poils. Des barres. Mais le ticket putain. Et qui sait bien qu'on a fait rater le ticket. Grand children, drag and drop. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut les prendre et les dégager des bêtises. Putain, ils font tout le temps. Oh mais non, oh, ça fera un bon sacrifice pour le seigneur du feu. Pour ton premier jour en tant que babysitter pour ta plus vieille fille, tu as décidé d'électrocuter le premier, d'empoisonner le second et de foutre le troisième dans le feu. Bah désolé d'être une grand-mère cool. Arrêtez les enfants de faire de la merde. Ok, maintenant on doit rester en santé. Donc on met des pilules dans nos bocaux. Attends, regarde comment elle bouge la pilule. C'est Magneto là qui se met des pilules, c'est pas n'importe qui mon gars. Oh putain, il faisait du basket ce papy mon guerrier, ce dunk. Meurs. Mais non. Mais non. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre les fleurs? Je dois ouvrir le cercueil? Je dois... On dit que tu as un flash juste avant de mourir. J'ai pas eu le temps de lire la suite. Et bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est faux. Après la vie, le jeu. Voilà, je vous fais une petite surprise, c'est gratuit. C'est parti, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Putain, on va enfin savoir. Ok, donc d'abord notre âme s'en va, il est vrai. Il est vrai, notre âme s'en va. Quoi? Pendant tes premières secondes de liberté en tant que fantôme, tu as décidé de te coincer de manière définitive dans un obstacle. Tu es maintenant destiné à contempler ta pauvre vie et les décisions de merde qui t'ont amené là. Oh le haineux, comment il critique notre vie, c'est abusé. Est-ce qu'on reste sur la terre alors? C'est ça la question. On passe sous des araignées suspendues par une ficelle, c'est vrai. Oh le flash. Ok. Quoi? On doit clean notre computer, c'est quoi ce délire? Mais non, il y a que du porno. Ah, le mec il est mort, tout ce qu'il doit faire, c'est aller nettoyer son historique. Après ta mort, ton PC a été donné à ton fils le plus jeune. Mais ça lui a appris un peu la vie, c'est bon. Quand il a ouvert pour la première fois, il a vu des choses qui l'ont choqué à vie. Il réside maintenant dans un hôpital psychiatrique. Il pouvait pas juste se toucher la bite et pas être con, putain. Pardon, ça m'a échappé. Ok, on nettoie l'historique, c'est bon. De toute façon, on a l'habitude, on va faire ça comme un pro. On met ça en tant que fond d'écran. Voilà, on est bien. On doit protéger une grand-mère. What? Mais non, mais mec! Mais t'es... Attends, c'est plus chiant d'être mort que d'être vivant en fait. Vous n'avez pas réussi à protéger votre femme du danger. Désormais vous n'êtes plus seul. Mais on va recommencer mec. On va lui offrir une plus belle mort putain. Allez, dégagez les hérissons, les couteaux, les ninjas. Oh là là, putain, quel héros. Revanche. C'est Alan, c'est notre cousin. Fils de chien. Tiens. Play. Je joue à Fanata Freddy, c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière. Parti. On fait la fête en tant que fantôme. What? Je suis choqué, plus dur que Guitar Hero quoi. Je dois cliquer sur ce truc au moment où il y a les notes. C'est une sorte de Dendez Revolution de la souris, ça me plaît énormément. Dites-moi à quel moment ces clics sont en rythme avec la musique. Même cette musique est plus en rythme avec ce qui se passe. Championship. Oh mais mec, ça c'est beau ça, regardez. La belle cloche, hop là. Attends, la balle elle est bloquée. Mais non. Oh là là, on le provoque en faisant un rebond sur son front mon gars. Ok, je compte sur le rebond de sa tête. Oh non. Bon, ce bière-pont est beaucoup trop long. En plus il me provoque. Collecte. Qu'est-ce qu'on doit collecter? Non mais vous m'avez pris pour le facteur qui livre ton codissimo le lundi matin quoi. Bust out. Mais non mais mec, t'es sérieux là? On passe sans grand problème hein, je vais pas vous mentir. Oh. Oh non. Non mais mec, abusé. Putain, je suis en train de craquer quoi. Je veux pas mourir juste pour pas avoir à faire ça putain. On est passé, on ne craint plus rien. Choisis le roi, choisis le roi, excellent. Soit on va en enfer, soit on va au paradis. On va pas se mentir, on va au paradis. Faut monter des marches. C'est super long. Oh mon dieu, on arrive au bout. Est-ce qu'on a accepté? Est-ce qu'on a le CV qu'il faut? Bienvenue au paradis.
merci. D'accord, le paradis c'est les crédits de fin, c'est ça? Je proteste. Et voilà, j'en suis à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas. C'est faux. Ça vous a plu cette feinte? N'hésitez pas à l'aimer, ça vous a plu, on se retrouve très vite dans une prochaine. J'ai bien aimé ces deux petits jeux très rigolos, beaucoup d'humour, beaucoup de belles choses. Voilà, c'est le résumé de vidéo le plus claqué qu'on ait fait en 5 ans. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao tout le monde, peace. J'ai fait un peace un peu faible. Peace.